c'est avec ça désormais qu'on va piquer la viande. Une fourchette. Oui, monseigneur, c'est une fourchette, ça se tient dans la main gauche. Ah. On met le couteau dans l'autre main. Voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on mange maintenant chez le roi et chez les nouveaux riches. Chez le roi. Alors, le plaisir de sentir la viande entre ses doigts. Ah. Pendant des milliers d'années, l'homme a chassé, pêché, mangé des baies et des fruits sauvages. Puis il a appris à élever les animaux et à cultiver la terre. Les réserves sont restées limitées à une production saisonnière, soumise aux intempéries, aux événements politiques et sociaux. Crise économique, guerre, pénurie de toutes sortes. Jusqu'au XXe siècle, la cuisine de la plupart des Français se compose principalement de pain, de soupe, de légumes secs et, exceptionnellement, de viande. Mais avec le développement de l'agriculture, des moyens de transport et de conservation, la France passe de la pénurie à l'abondance, de l'économie au gâchis. Aujourd'hui, nous consommons deux fois plus de viande, de matières grasses et de sucre qu'il y a 50 ans, mais deux fois moins de pain. Pourtant, on peut choisir parmi l'ensemble des aliments que l'on a répartis en cinq groupes. Le premier groupe, c'est le lait et tout ce qui vient du lait, sauf le beurre. Quand je bois du lait, même si j'ai fait la folle toute la nuit, je me sens pur comme l'enfant qui vient de naître. Et toi, comment te sens-tu ? Eh bien, moi, il nous apporte des vitamines, des éléments bâtisseurs, dont le calcium, qui permettent l'entretien et le renouvellement des tissus du corps. Boire du lait ou manger du fromage, c'est la même chose. Le deuxième groupe, ce sont les poissons, les viandes, les œufs. Ils apportent également à l'organisme des éléments bâtisseurs, dont le fer. Ici aussi, on peut remplacer l'un par l'autre. Salut. T'en viens, t'es rougé ? Deux bistecs, s'il vous plaît. Un ou deux ? Deux. Henri, deux bistecs, on le fait. Deux œufs égale 100 grammes de poisson, 100 grammes de viande rouge ou blanche, ou de volaille. Et maintenant, allons dîner. Monsieur. Bonjour, monsieur. Vous désirez, monsieur ? Je voudrais un melon. Un beau melon. Des fruits. Des légumes crus. Des légumes cuits. C'est dans ce troisième groupe que l'organisme trouve les sels minéraux dont il a besoin. C'est aussi sa principale source de vitamines et de fibres nécessaires au bon fonctionnement de l'intestin. Magnifique. Je n'ai jamais rien mangé de pareil. Aujourd'hui, j'ai choisi une recette française. Vous prenez une baguette de pain. Vous la coupez en deux dans le sens de la longueur. Prenez un saucisson. Vous le coupez en tranches, c'est-à-dire dans le sens de la hauteur, et vous mettez les tranches dans le pain. C'est pas con, ça. C'est pas con, ça. Bon, ben, moi, j'ajoute du beurre et des cornichons. Enfin, on n'est pas obligé. Ah, moi, je préfère. Pain, céréales, légumes secs, pommes de terre forment le quatrième groupe. Ce sont des aliments réservoirs d'énergie et naturellement interchangeables. Un verre de riz, de légumes secs ou de pâtes, ou un tiers de baguette, ou deux pommes de terre, c'est la même chose. Je suis sûr qu'ils sont aussi bons qu'à Venise. Bon anniversaire, mon chéri. Oula. Et il a pris un peu d'avant-plat. Dire qu'un soir, vous vous êtes battu à cause de moi. Le dernier groupe est celui des matières grasses. Huile, saindoux, lard, beurre,
crème fraîche, margarine. Tout le menu est au beurre. Broché beurre blanc, rail au beurre noir, escalope beurre noisette. Dites, mais l'huile ici, vous la mettez dans les moteurs d'automobile, non? Non, on en met un peu dans la salade, quoi. Ah oui, bah, c'est toujours ça. Si certaines matières grasses apportent des vitamines, toutes sont riches en graisse. En particulier, toutes les huiles en contiennent 100%. Et de toutes les boissons, seule l'eau est indispensable. Je varie, tu varies, il varie. Et cela permet de changer souvent de plat, de recette, d'aiguiser son goût. Quel est ton menu ce soir? Ce soir, j'ai hors d'œuvre camembert, poisson camembert, plat de résistance camembert, fromage camembert. Puis si j'ai encore faim, alors je prendrai un petit peu de camembert. Et vous? Saucisson. Hein, moi, je n'aime le saucisson qu'à la campagne. Et encore, il faut que ce soit du pur porc. Comment? Nous commençons la journée par le petit déjeuner. Et déjà, nous mangeons différemment. Tout s'y prête. Les circonstances, les lieux, l'humeur. Ah, oh, t'en v'là tout de même. La croûte. Goûtez sans moi, j'ai pas faim. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur lui, les poulets? Oh, pas grand-chose. On l'appelait Joe les bras coupés parce qu'il n'aimait pas se fatiguer. Toujours la blanquette de veau. Monsieur Antoine, si vous ne vouliez pas venir que le mercredi, vous auriez autre chose. Le mercredi, c'est la blanquette. Mercredi, c'est terminé. Et la blanquette. Hein. Mercredi, c'est la blanquette. Atmosphère différente, repas différent. Oh, dîner de famille. Quand vous n'êtes pas délicieux comme vous êtes sinistre. Silence pesant, souligné par le bruit des cuillères et celui des glouglous d'un potage à l'oseille. La cuisine n'est pas toujours la même à la ville et à la campagne. Vous n'avez plus besoin de rien? Non, non. Non. Pour manger bien, mangeons de tout, sans faire d'excès. Ni trop, ni trop peu. Désiré, achetez à l'étalage. Et si ce n'est pas la pleine saison, conserve et surgelé sont meilleurs marchés et de qualité égale. Pavillon de la marée, la tomate grise, à 9,80 le kilo. Personne ne réagit de la même façon devant la nourriture. Je vais vous donner l'aile au même prix que la cuisse. Pourquoi? Comme ça, par sympathie. Oh, merci. Il y a ceux qui ont peu d'argent. Ceux qui mangent de façon monotone parce qu'ils vivent seuls. Ceux que l'on force à manger. Mange, nom de Dieu! Jim, tu vas pas rester comme ça à traîner devant ton assiette pendant des heures. Ceux qui mangent, ainsi obtenu, par habitude, permettrait de faire un effort tout particulier dans certains domaines de l'aménagement du territoire, et plus particulièrement, nous avons épuisé ceux qui grignotent tout le temps. Mais attention,
Faire des excès n'est pas seulement trop manger. C'est le plus souvent ne pas faire attention à ce que l'on choisit. Chips, cacahuètes, biscuits en tout genre, grignotage et grignotement. 50 grammes de chips équivalent à 2 cuillères à soupe d'huile. Et le sucre. Tu n'as pas encore 21 ans, je t'ai apporté un coq. Merci, madame. Comment tu t'appelles ? Billy. Ok, Billy. On va aller voir. Un litre de cola, ou de tonique, ou de soda, c'est 20 morceaux de sucre. Ah oui, demain, j'ai baigné avec Caroline. Tu veux dire que Miss Harrington s'est réellement baignée aujourd'hui ? Oui, et elle nageait drôlement bien, même. Bah, je crois qu'elle n'avait pas de maillot. Elle n'en avait pas. Sorbet, pâtisserie, glace, c'est toujours beaucoup de sucre. Monsieur Hainaut, pour un picombière, c'est moitié-moitié ? Ça peut le devenir, mais pas maintenant. Je saute pas l'obstacle sans élan. Vous allez voir, j'ai ma recette. Et l'alcool ? Vin, bière, whisky, pastis et autres ? De l'énergie inutile qui ne peut servir à l'effort physique. Mademoiselle Marguerite. Il est délicieux. Encore un doigt. Hein? Oui. Oh, si, c'est ça. Tant que vous aimez. Elle n'est pas tombée. Non, j'ai tendu. Elle est beaucoup trinquée. Ah, alors, bonjour. Elle est tienne. Ceci étant, il est bon de manger. Il faudrait que chaque repas devienne un moment privilégié du temps de vivre et de goûter. De vrais repas où, à travers ses goûts et ses préférences, et en puisant dans les 5 groupes, on équilibre son alimentation sans pour autant se lancer dans d'impossibles aventures culinaires.